Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle à trois choix. Le sujet est vers quelle évolution êtes-vous guidé Donc, le choix numéro un, ce sera la tortue le choix numéro deux, ce sera l'éléphant et le choix numéro trois, ce sera l'araignée. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord Alors pour vous aider à choisir, je vais vous parler de la symbolique de chacun de ces animaux. Ça vous aidera peut-être, il y aura peut-être des mots clés qui vous feront tilt et qui vous feront aller plus vers cet animal qu'un autre. Donc, la tortue est un symbole de persévérance et de sagesse et de chance. Sa carapace est le symbole de la protection envers des blessures humaines. La tortue est la représentation de l'univers, elle est porteuse du monde et de l'humanité, elle est un gage de stabilité pour tous. L'éléphant... Lui est un symbole de sagesse et de douceur du fait de son intelligence. Il évoque également la force, la puissance, la mémoire et la longévité et la fertilité. L'éléphant incarne de nombreuses valeurs. C'est un animal à la fois respecté et vénéré. Quant à l'araignée, elle est le symbole de patience et de persistance du fait de ses techniques de chasse. Elle symbolise également l'énergie féminine et la créativité. L'araignée est caractérisée par son habileté à tisser des toiles aux formes complexes. Elle symbolise également la réceptivité, la destinée, les aspects sombres de la vie, de la personnalité. Donc vous voilà avec plein d'informations pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion supplémentaire. Pendant ce temps, on va aller vous découvrir tout de suite quelle est l'évolution qui concerne les personnes qui auront choisi la tortue. Donc la tortue ici, quel est euh, l'ange qui va vous accompagner lors de cette évolution On vous parle de l'ange de l'abondance. Donc l'ange de l'abondance, on vous parle d'amour, de cadeau, d'univers illimité. Donc ici on vous dit qu'il va y avoir une abondance d'amour dans votre vie, alors que ce soit de l'amour amical, l'amour familial ou de l'amour amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être... Pour vous dire qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous combler d'amour. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit peut-être qu'il va y avoir un renouveau amoureux, peut-être qu'il va y avoir un nouvel élan amoureux dans votre couple. Si vous avez l'impression que ça s'est soufflé euh, ces derniers temps, en tout cas ici on vous parle d'amour, qu'il va y avoir un amour inconditionnel, peut-être que c'est un amour aussi que vous allez éprouver envers vous. Euh, et on vous parle de cadeaux. Donc il va y avoir des cadeaux au long de, sur votre chemin pour vous aider à avancer, pour, aller, pour vous aider à évoluer euh, vers ce quoi les guides veulent que vous alliez. Et on vous parle aussi d'univers illimité. Alors peut-être que vous êtes une personne très créative. Euh, on vous parle que ici votre inspiration sera sans limite. Ou peut-être que c'est par rapport à votre proje, vos projets que vous voulez faire, euh, à mettre en place. Ou que vous avez peut-être commencé à mettre en place. On vous dit ici que vous ne serez pas entre, il n'y aura pas d'entrave, euh, que vous aurez des coups des franches pour agir. Donc, ici, on vous parle euh, de ce que vous devez mettre en pratique pour avancer sur ce chemin d'évolution. Donc, ici, on vous demande de terminer. Euh, je termine ce que je commence. Donc, ici, peut-être qu'il y a. Alors, moi, je dirais plutôt qu'ici, vous avez une fausse croyance. Je pense que vous avez la fausse croyance de penser que vous ne terminez jamais ce que vous, vous avez commencé. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a répété tout le temps. Oh, mais de toute façon, tu termines jamais ce que tu commences. Mais c'est faux. Je suis sûre que si vous cherchez bien, si vous regardez bien, vous aurez plein d'exemples où vous avez bien terminé ce que vous aviez commencé. Peut-être que vous y avez mis le temps, mais l'essentiel c'est pas de le faire dans la précipitation, c'est bien de le faire et l'essentiel c'est de terminer. Ici par contre aussi on me dit attention à la procrastination. C'est quelque chose que vous allez devoir dépasser aussi. Peut-être que vous avez tendance à dire euh, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. la procrastination, c'est ça, c'est toujours mettre, remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. Donc attention à cette énergie. Euh, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous parle de deux... là, on me parle de deux choses. Soit vous avez une fausse croyance, vous pensez que vous ne terminez pas ce que vous commencez. Soit, par contre, ça, ce n'est pas une fausse croyance. On vous dit, attention, il faut que vous dépassiez la procrastination. Il faut que vous mettiez la procrastination derrière vous. Parce que pour l'abondance, on ne vous attendra pas. C'est ce qu'on vous dit. Donc, mettez-vous en chemin justement pour ça. Donc ici, on vous demande, on vous dit, quelle est l'énergie que vous allez accueillir. Donc c'est l'énergie du dieu Horus. Alors le dieu Horus, c'était le dieu du c'est le dieu du ciel. Donc ici, on va vous parler de détermination, de ténacité et de courage. Effectivement. Si vous êtes dans une énergie de procrastination, il va falloir du courage pour dépasser ça parce que ça se dépasse pas facilement. Ça vient pas du jour au lendemain et en claquant en claquant, en claquant des doigts. Donc ici, on vous parle justement donc de détermination, d'être déterminé sur ce que vous voulez faire. Donc, on dit que tel le Dieu Faucon, euh, on vous demande de faire preuve d'une grande détermination. Votre motivation sera inépuisable lorsqu'il s'agira d'atteindre vos objectifs. Donc, vous aurez une abondance de motivation pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ce que vous voulez faire. Donc ici, euh, vu que vous serez motivé, vous oublierez la procrastination et vous aurez vraiment euh, beaucoup d'envie de terminer ce que vous aurez commencé parce que vous serez vraiment motivé et ce sera quelque chose qui vous tiendra à cœur quand même. Hein. On dit que vous n'hésiterez pas non plus à passer à l'action pour relever les défis que vous ou, que vous lancerez vous-même. Vous avancerez tête baissée et qu'importe les risques et le prix à payer. Horus. Le duo russe vous transmettra son énergie et tout son courage. On vous dit que vous serez combatif ou combative, aventureux ou aventureuse, et parfois même assez têtu. Vous serez souvent victorieuse et victorieux, mais on vous dit attention de quand même de ne pas vous croire totalement invincible, car la chute ne sera que plus grande. Alors là, ce qu'ils veulent vous dire, les, euh, les guides, c'est qu'attention, c'est de ne pas vous attaquer à tous les domaines, c'est de cibler ce que vous voulez vraiment réaliser et d'y aller étape par étape, petit à petit, d'accord Vous ne pouvez pas être le meilleur ou la meilleure dans tous les domaines, ça c'est pas possible. Ou en tout cas, vous pouvez l'être, mais étape par étape. Pas, euh, en essayant de tout faire d'un coup ça c'est pas possible et puis si vous essayez de faire tout d'un coup forcément il y aura des brèches quelque part et euh, il y aura des choses qui ne seront pas consolidées donc on essaie de vous mettre en garde oui vous serez motivé oui vous aurez le courage et la ténacité donc il n'y aura pas de procrastination mais attention à ne pas vous croire euh, à ne pas à tout, tout prendre de front en fait hein. ne pas vous attaquer à tout, trop de choses en même temps Donc ici, on vous demande quelle action vous devez engager envers vous. On dit je m'aime, je prends soin de moi. Donc là, on vous demande de vous aimer, d'apprécier la personne que vous êtes et en même temps de prendre soin de vous. Oui, prenez soin de vous euh, parce que vous, aurez, vous devrez, vous aurez besoin de vous. Justement, pour être dans la détermination, dans le courage, dans la motivation, pour ne plus être dans la procrastination et pour pouvoir accueillir euh, les bras grands ouverts, l'abondance et euh, les belles choses qu'on va vous mettre sur votre chemin. Hein. Ici, quelle va être votre plus grande peur, votre plus gros doute Eh bien, on vous parle de euh, justement euh, de l'échec. Bon, c'est la ruine, mais c'est pareil, c'est l'échec. Vous avez peur, justement, de ça. De... C'est peut-être pour ça que, jusqu'à présent, vous procrastiniez, euh, vous remettiez au lendemain ce que vous pouviez faire, ou que vous hésitiez peut-être à avancer davantage pour terminer votre projet, parce que vous aviez peur, justement, peut-être d'échouer. Et là, on vous dit non, parce qu'avec Horus, on vous dit que vous serez victorieux. Et victorieuse, alors attention, quand même, un bémol. Euh, oui, vous serez victorieux et victorieuse, mais à condition, justement, de ne pas vous croire invincible. Donc, étape par étape, petit, à, à, petit, à, petit pas par petit pas, vous y arriverez. Mais, euh, mais pas en vous précipitant. Voilà. Quel est le conseil de vos guides Ici, appréciez vos talents. Oui, appréciez vos talents. Vous êtes quelqu'un de très talentueux. De toute façon, ici, on vous disait que vous aviez un univers illimité. Donc, vous avez des talents illimités. À vous de savoir euh, quels sont ces talents. Est-ce que vous les connaissez déjà Si oui, comment vous pouvez vous en servir À bon escient, forcément. Donc appréciez vos talents parce que c'est eux qui vont vous éviter l'échec. C'est eux qui vont vous permettre d'être déterminé et de passer à l'action, finalement, de ne pas procrastiner et de terminer ce que vous allez, les projets que vous allez mettre en, en route. Et c'est eux aussi, c'est vos talents qui vont faire que vous vous aimez et que vous allez vous prendre soin de vous aussi. Vous allez vous ménager. C'est de très belles énergies tout ça. Allez, on va aller voir tout de suite l'éléphant. Donc l'éléphant, quel est l'ange qui vous accompagne Si j'arrive à attraper la carte. Donc quel est l'ange qui vous accompagne Ici, on vous dit l'ange de la gratitude. On vous parle de remerciement et de satisfaction. On vous demande d'être de, dans la satisfaction de votre vie. Regardez les belles choses déjà que vous avez eu acquis, que vous avez euh, réussi à avoir euh, par votre labeur aussi. Euh, on vous demande d'être satisfait de vous aussi, aussi bien de satisfait de l'univers, des anges qui vous ont aidé à avoir tout ça. On vous demande d'avoir une, une satisfaction, oui, d'être fier de vous et de fier de ce que vous avez eu, euh, ce que vous avez acquis déjà au jour d'aujourd'hui. On vous demande aussi d'être dans le remerciement. Donc remerciez-vous. Parce que vous avez, c'est quand même grâce à votre travail, grâce à votre persévérance, grâce à votre intelligence aussi, et à votre sagesse, que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et on vous demande aussi de remercier l'univers aussi d'avoir été à vos côtés. Alors Peut-être que vous avez, grâce à eux, vous avez eu des aides des fois inattendues. Et on vous demande de, de remercier déjà pour ce que vous avez eu dans, dans cette vie-là, jusqu'à présent. Ici, si on vous demande, on va voir qu'est-ce que vous devez mettre en pratique. Pour continuer à évoluer et à avancer. Donc là, on vous demande euh, de prendre des risques. Donc on vous demande de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous étiez dans, un peu trop dans le train-train, peut-être dans la routine. Euh, votre vie n'est peut-être pas sans surprise. Peut-être que ça vous convient comme ça. Mais là, on vous dit non. Parce que euh, vous devez dépasser cette énergie. Vous êtes guidé pour dépasser cette énergie. Alors peut-être que c'est. Euh, prendre des risques au niveau amoureux. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, on parle j'ai l'impression qu'on me parle plus du sentimental. Donc, peut-être de prendre des risques au niveau amoureux. Euh, alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Peut-être en couple, vous êtes dans la routine. Mais on vous dit attention parce que cette routine risque de tuer votre couple aussi. D'accord Donc, attention comment ça se parle. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt pour les personnes qui ont souffert. Peut-être qu'aussi vous êtes en couple et vous avez souffert. Et c'est pour ça que vous, risquez, vous avez plutôt... Vous êtes, Plutôt dans un plan-plan, vous êtes plutôt tranquille parce que vous n'avez peut-être pas envie euh, de remuer certaines choses dans votre couple parce que vous avez peur, euh, peut-être que vous pensez que votre couple n'est pas assez solide. À vous de tester. Mais est-ce que ça vaut euh, la peine de, de végéter Il faut se poser la question aussi. Hein. Donc là, on vous demande de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, tout simplement. De toute façon, comme on dit, hein, qui ne risque rien n'a rien. Donc, est-ce que vous voulez continuer à ne rien avoir ou euh, le minimum à vous de voir. Donc, ici, on vous parle, euh, on va vous dire quelle énergie vous devez accueillir pour évoluer. Ben, on parle d'Isis, écoutez, ce <laughs> n'est pas une petite énergie, Isis. Hein? Isis, c'est quand même la déesse de la santé, du mariage et de la maternité. Et ici, on va vous parler de, de grand cœur, de bonté et de dévouement. Donc, oui, vous aurez peut-être besoin de ces qualités de cœur, euh, de bonté et de dévouement, justement, pour, passer, euh, pour, euh, pour sortir de votre zone de confort. Peut-être un dévouement envers vous-même déjà, parce que peut-être que vous allez comprendre, vous avez, vous avez compris qu'en fait, vous étiez en train de végéter, que vous deviez, que votre vie, peut-être que vous, vous vous rendez compte que vous attendiez beaucoup plus de votre vie que ce que vous avez actuellement aussi. Hein. Même si vous êtes reconnaissant d'avoir tout ce que vous avez, mais vous savez que vous pouvez euh, aller euh, plus de l'avant et obtenir plus. Hein. Donc ici, on vous dit que votre cœur est, rempli, est, est, est grand et est rempli d'amour. On vous dit que vous ferez preuve de beaucoup de bonté euh, grâce à l'énergie d'Isis, de compréhension et de compassion. Ce sont des qualités que vous avez déjà, mais peut-être que vous ne euh, les mettez peut-être pas assez en avant. Peut-être que vous, justement, euh, parce que vous avez peur de les montrer ces qualités, vous les gardez bien enfouies en vous, parce que vous avez peur d'être blessé. Vous êtes une personne sensible. Donc ici, on vous dit que vous aimerez offrir donc c'est le chemin de d'évolution vous allez grandir, vous allez évoluer et vous allez aimer offrir vous aimerez offrir votre aide car vous êtes un protecteur ou une protectrice naturelle donc voyez vous avez enfoui toutes ces euh, qualités là mais à un moment donné ou à un autre avant de demander à sortir parce que ça fait partie de vous justement et c'est c'est ça que vous allez risquer c'est de montrer qui vous êtes vraiment vous allez montrer que vous êtes une protecteur ou une protectrice naturelle vous allez montrer vos qualités vous allez montrer ses euh, belles qualités. Vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de passionné, de généreux et de généreuse. Euh, et ça, depuis toujours. Vous allez en étonner plus d'un hein, et plus d'une. Hein. Il faut savoir aussi que la déesse Isis vient vous annoncer une maternité, une naissance dans votre entourage également, ou peut-être un investissement amoureux très solide. Donc peut-être que euh, jusqu'à présent, alors peut-être que vous êtes euh, avec quelqu'un, mais peut-être que vous n'habitiez pas ensemble, euh, vous n'avez pas fait la démarche euh, de vouloir vivre avec cette personne, peut-être que vous étiez célibataire jusqu'à présent et que vous n'étiez pas dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, euh, une nouvelle personne pour la faire entrer dans votre vie. Donc, ici, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, et là, vous allez vraiment vous rendre compte que euh, bah, c'est une relation solide avec la, la personne avec qui vous êtes, et que vous la vous voulez la rendre encore beaucoup plus belle et beaucoup plus solide que ce qu'elle n'est. Si vous êtes. Euh, avec quelqu'un, mais que vous ne vivez pas ensemble, ben justement, vous allez vouloir consolider cette, cette relation en vous mettant vraiment en couple et en vivant avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, ben là, on vous dit que là, vous, vous savez que vous serez prêt à franchir le cap euh, pour rencontrer une nouvelle personne, pour, laisser, pour ouvrir votre cœur. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'étiez pas hein, dans cette ouverture-là. La Isis est une grande magicienne. Et elle vous poussera également à... À agir pour protéger votre bien-être ou celui de vos proches. Donc, oui, parce que comme vous êtes un protecteur et une protectrice, forcément la magie euh, d'Isis viendra renforcer justement ce côté protecteur. Alors, peut-être que c'est aussi protecteur envers vous, peut-être qu'au départ, pour les personnes qui ont souffert, alors c'est vraiment le plus sentimental ici. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, et c'est oui, c'est comme ça que je le ressens, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc, les personnes qui ont souffert, attention de ne pas trop vous protéger non plus. Il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps de risquer justement d'ouvrir votre cœur, de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à cette énergie, à ces énergies d'amour euh, que vous, vous protégiez parce que vous avez peur de souffrir, c'est compréhensible, mais à force de trop se protéger, vous risquez aussi de passer à côté de belles choses et de nouvelles expériences. C'est très dommage parce que la vie c'est ça, ce sont des nouvelles expériences et puis, euh, puis peut-être que vous allez avoir des regrets ou des remords en vous disant et si j'avais euh, si franchi le cap avec cette personne donc attention on vous dit aussi que vous êtes astucieux ou astucieuse intuitif euh, intuitive et que parfois même vous êtes un rêveur ou une rêveuse vous n'hésiterez pas à vous démener ici euh, dans le futur pour trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez et pour défendre vos idéaux et oui Prendre des risques, c'est ça aussi, c'est défendre ses idéaux. Alors que ce soit dans une relation amoureuse, vous allez peut-être vouloir vous engager dans une nouvelle relation, mais sans euh, vous renier. Et c'est totalement ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas à vous renier pour plaire à l'autre personne. Donc là, vous allez défendre qui vous êtes, vous allez défendre euh, vos, vos valeurs finalement, et c'est très bien. C'est pour ça aussi que vous allez sortir de votre zone de confort. Peut-être que jusqu'à présent, vous, euh, vous regardiez, vous observiez. Et euh, vous vous contentiez de certaines choses, mais là, euh, là, vous évoluez justement pour ne plus vous contenter, mais pour passer à l'action et pour être vraiment, quoi. Pour être la personne que vous êtes vraiment. Que vous savez être, mais que vous n'avez pas envie de montrer parce que euh, par peur, par peur justement de, de sortir de votre zone de confort et, et de peut-être de déplaire aussi. Hein. Donc ici, avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit quel engagement devez-vous prendre envers vous bah, de vous pardonner. C'est de pardonner, de ne pas avoir assez de courage euh, à sortir de cette zone de confort avant, de vous pardonner peut-être, euh, de ne pas avoir guéri assez vite euh, par rapport à des blessures anciennes aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais si on vous parle de pardonner, de vous pardonner. Peut-être que vous vous étiez senti victime d'une situation, et c'est ça qui vous a emprisonné par rapport à un certain, à, à certaines, à un certain schéma de vie. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, on vous dit qu'il va falloir que vous vous pardonniez. Vous pardonniez pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Quelle est votre plus grande peur ici Eh bien, votre plus grande peur, c'est l'amour. Ben oui, ça explique hein, beaucoup de choses. Vous êtes protégé de beaucoup de choses jusqu'à présent. Vous étiez dans une routine parce que vous aviez peur de l'amour. Même si vous étiez en couple, peut-être que vous n'avez pas encore montré à quel être passionné vous êtes à votre autre. Peut-être que vous étiez encore sur la défensive pour X ou Y raison. On vous demande de dépasser ça. Hein. Il va falloir que vous montriez vraiment votre visage. Qu'est-ce que vous risquez de toute façon, vous êtes avec cette personne Ou si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous risquez euh, d'aimer à nouveau D'avoir votre cœur meurtri Vous en êtes déjà relevé plusieurs fois, vous vous en relèverez encore une fois. Puis, puis et si vous pensez ça. Vous ne ferez, vous ne rencontrerez jamais personne, vous ne vivrez jamais l'amour que vous avez envie de, de, de rencontrer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous méritez d'être aimé aussi. Donc vous voulez, vous avez peur de l'amour. Vous souhaitez l'amour, mais vous avez peur de l'amour. Mais surtout, sachez que vous méritez d'être aimé. Et là, donc, on vous demande de, justement de passer à l'action et de sortir de cette zone de confort, de prendre conscience que vous méritez d'être aimé pour avancer sur ce chemin. Quel est le message, quel est le conseil de vos guides? Tout le monde a de la valeur, ben oui, vous avez de la valeur, et en sortant de votre zone de confort, vous allez vous le prouver. Tout simplement. Allez, on va aller voir le choix numéro 3. Avec l'araignée. Donc l'araignée, quel est l'ange qui vous accompagne? Ah, bah ben, écoutez, c'est un archange, c'est Raphaël. On vous parle de guérison, d'amour et de chakra du cœur. Donc là oui, on vous parle de guérison. Alors quelle qu'elle soit, hein, c'est ça, guérison du cœur, guérison, de la santé, peut-être que vous avez été malade, euh, mais là on parle de, de l'amour aussi, donc peut-être euh, guérir de l'amour de vous-même, peut-être que vous, vous aviez euh, perdu confiance en vous, peut-être que vous ne vous, vous aimiez plus parce que vous parce que vous vous êtes trompé. Donc ici on vous parle de guérison, donc vous êtes sur le chemin de la guérison, vous évoluez vers la guérison, vous évoluez dans votre guérison. Vous avez déjà, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, c'est ce qu'on me dit, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et euh, on vous dit que le, le travail est bien avancé et qu'il faut continuer parce qu'il y a encore quelques petites... De toute façon, on guérit toute notre vie, hein. on, on travaille toute notre vie là-dessus. Il y a des blessures qui sont plus ou moins grandes. Euh, vous avez déjà bien travaillé et on vous dit de continuer encore euh, sur certaines blessures et, euh, et surtout de le faire avec amour. Donc ici, on vous dit qu'est-ce que vous devez mettre en pratique de pratiquer la résilience. Alors, à savoir la résilience, euh, la résilience c'est la capacité de rebondir devant l'adversité. Donc vous devez être en mesure de voir les difficultés comme un apprentissage ici. Hein. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est bah, d'arrêter de lutter contre le changement, euh, d'essayer de ne pas tout contrôler parce que vous ne pouvez pas. Et. Euh, et justement, bah de rebondir face aux changements qui vont arriver dans votre vie. Euh, il faut que vous évoluiez par rapport à ça, de ne pas vous braquer en fait, hein, de ne pas rentrer en résistance de suite en disant ⁇ je ne veux pas ce changement de ma vie ⁇ Non, euh, acceptez le changement, c'est ce qu'on vous dit. Acceptez le changement. Euh, sachez rebondir, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce que vous allez accueillir comme énergie qui va vous aider Anupette, Anoupet, c'est la déesse, c'est la déesse des funérailles. Donc ici, on vous parle d'immobilité, de décision et d'envoler. Ben oui, parce que si on vous dit de pratiquer la résilience, et jusqu'à présent vous étiez dans, plutôt dans la résistance et vous ne vouliez pas avancer et accepter le changement, forcément, euh, l'immobilité s'explique avec cette carte. Euh, donc là, peut-être que vous étiez dans l'immobilité et Anoupet vient vous rappeler qu'il bah, y a autre chose à faire, qu'il y a autre chose qui vous attend. Hein. C'est vrai que bah, comme c'est la déesse des funérailles les funérailles en Égypte, c'était la momification et la momification annonce une emprise, mais aussi une transition, forcément. Anoupet symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envoi. Donc là, on vous dit que oui. Peut-être que vous êtes dans la résistance, euh, vous, êtes, vous résistez au changement, mais euh, comme c'est une évolution, là vous n'allez pas résister longtemps. Vous allez plutôt être dans la résilience, justement, pour prendre votre envol par rapport à une certaine situation euh, dans votre vie. On vous dit que vous allez vous. Euh, vous, trouvez, vous vous trouverez pris euh, ou prise dans des liens qui vous serrent et qui vous retiennent. Ce qu'on qu essaie de vous faire comprendre aussi, c'est que ces liens sont fragiles et que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir décider de vous en défaire, de ces liens. D'où l'envoler. Hein. D'où la décision, de prendre la décision, est-ce que vous voulez rester les pieds et poings liés euh, dans votre peur du changement ou est-ce que vous voulez vous envoler euh, avec la résilience, rebondir justement par rapport à ces changements qui, a, qui, qui sont peut-être des... Qui sont pour vous, comme, euh, qui vous apparaissent comme une adversité, comme, quelque chose de, comme un combat. Mais est-ce que vous êtes prêt à relever le combat, à, re à le relever le défi Ou pas C'est la décision que vous allez devoir prendre, en fait. Hein. Et si vous êtes prêt à relever le défi, il ben, va falloir euh, accepter le changement, justement. Donc, on vous dit que vous serez sur le point de pénétrer dans une nouvelle phase de votre vie et de donner vie à vos rêves. On vous dit ici avec anoupette que tout est prêt et que tout ne dépend que de votre seule volonté tout simplement. Il ne vous manquera plus que cette impulsion, cet élan qui viendra concrétiser vos désirs et qui vous apportera l'épanouissement que vous recherchez. Et oui, l'épanouissement que vous cherchez c'est également la guérison. Votre épanouissement passe par la guérison et ce qui passe par la guérison, c'est votre résilience. C'est le fait de pouvoir rebondir par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. C'est euh, par rapport à de, votre capacité à rebondir euh, devant l'adversité, justement. Et puis d'être en mesure d'accepter euh, que la vie, euh, les épreuves de la vie, ce sont des apprentissages, ce sont des expériences. Donc, ici, on vous dit quelle action vous devez engager envers vous je suis un, un chercheur de vérité. Ben oui, ben la, la vérité est en vous de toute façon. Donc euh, quelle vérité vous voulez Est-ce que vous voulez la vérité de rebondir face à l'adversité ou vous voulez la vérité de rester immobile et les pieds et les poings liés enfin, avec cette sensation en tout cas, parce que comme on vous a dit les liens ils sont fragiles. Hein, donc euh, donc est-ce que vous la vérité c'est euh, la vérité c'est vous êtes seul décisionnaire de, de l'élan que vous pouvez donner à votre vie. Et là, on vous dit vraiment, c'est l'évolution qu'on veut pour vous, c'est de rebondir et d'aller dans cette adversité et de, et, et de prendre les changements tels qu'ils sont comme des expériences. Hein. Quelle est votre plus grande peur Bah, ben, c'est le combat, c'est le procès, c'est justement, c'est euh, peut-être de pas y arriver, c'est peut-être d'engager le combat aussi. Peut-être que vous avez peur que le combat soit déjà perdu d'avance. Hein. Donc, euh, ça, c'est votre plus grande peur. C'est peut-être de, de vous lancer dans le combat et pour rien. Mais non, ce ne sera pas pour rien, puisqu'on vous dit ici que tout est prêt pour vous, avec Anoupet. Tout est prêt, tout ne dépend que de vous. Lancez-vous dans le combat et vous verrez. Lancez-vous dans le combat, lancez-vous euh, dans, dans, la, dans la résilience. Euh, soyez résilient. Euh, acceptez euh, de relever les défis. Et vous verrez que tout est prêt pour vous. Donc votre peur, on le voit bien ici, n'a plus lieu d'être avec la noupette. puisqu'en plus elle vous protège et elle vous sauve de l'immobilisme. Parce qu'on vous parle quand même de décision, de prendre la décision, de vous lancer dans le combat pour ensuite prendre votre envol vers quelque chose qui est complètement, euh, qui vous apportera beaucoup de satisfaction et qui, euh, qui vous permettra aussi de vous révéler à vous-même en fait. Je pense qu'ici. Euh, oui, vous avez été blessé, vous avez guéri, mais vous n'êtes plus la personne qui a été blessée, vous avez changé, vous avez évolué. Donc, je pense que euh, de rentrer dans le combat ici, d'accepter ces changements, d'aller dans l'adversité finalement, ça va vous révéler une nouvelle facette de vous-même que vous n'aviez pas pris conscience jusqu'à présent. Donc, euh, allez-y. Hein. Et puis, cherchez cette vérité. Cette vérité, elle est en vous. Hein. Tout simplement. Quel est le conseil de vos guides Choisissez l'amour plutôt que la peur. Ben oui. Ne refuser le combat, c'est d'être dans la peur, tout simplement. Vous avez, vous, vous avez trop la peur de, de vous lancer dans le combat et d'être dans l'échec. Mais euh, si vous choisissez l'amour, l'amour de votre vie, l'amour de guérir, la... de toute façon, vous parlez d'amour avec le chakra du cœur. Hein. On est totalement raccord, choisissez l'amour. Soit choisissez votre cœur. Qu'est-ce qui vibre avec votre cœur Qu'est-ce qui fait sens avec votre cœur Est-ce que c'est l'immobilisme dans lequel vous êtes, pieds et poings de vie, ou c'est justement euh, de vous lancer dans le combat de votre vie pour être heureux. Puisqu'en plus, on vous dit que tout est prêt pour vous avec un ou Qu'il ne vous manque plus que cette impulsion pour concrétiser vos désirs. Donc les désirs ils viennent d'où Ils viennent du cœur, ils ne viennent pas de la peur. Hein. Donc à vous de voir. À vous de prendre votre décision. Mais c'est l'évolution qu'on veut pour vous ici. Euh, c'est d'être résilient. Ici, ben, c'est de, de sortir de votre zone de confort. Et ici. Ben, c'est d'arrêter la procrastination. C'est trois choix, trois choix différents, trois histoires différentes. Et euh, c'est très enrichissant. J'aime ai, beaucoup faire ce genre de tirage parce que c'est toujours. Euh, vous, vous en apprenez sur vous, vous avez des messages. Et euh, moi, j'en apprends sur moi aussi en, en faisant ces tirage, même si je n'ai pas fait de choix pour une fois. Euh, mais c'est très, très enrichissant de faire ce genre de tirage. J'aime beaucoup. <laughs> J'espère que vous aimerez aussi. Euh, voilà, c'est terminé pour celle qui danse. J'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. En tout cas, que certains messages auront résonné en vous et qui vous aideront à évoluer justement sur votre chemin, sur cette évolution pour laquelle vous êtes guidé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de l'écouter. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la petite clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.